Allez, on se retrouve pour le deuxième boss en mode héroïque de la quatrième aile de Mont Roche-Noir. On affronte Vael Astraz, dont le pouvoir héroïque est pour 0. Chaque joueur pioche 3 cartes et lui gagne un cristal de mana. Donc 3 cartes à chaque tour de Vael Astraz, plus une pioche quand c'est votre tour, ça vous fait 4 cartes en main. Vous allez rapidement en cramer, donc il faut un deck qui coûte vraiment que dalle. Donc on part sur le chasseur avec des serviteurs qui coûtent majoritairement soit 0 soit 1. Le but du jeu est d'en poser un maximum tout de suite. Alors si possible à la pioche, à la main de départ, avoir des serviteurs à 0, c'est encore mieux. Alors, là on commence à avoir beaucoup de cartes, on a 10 cartes, il faut en jouer un maximum. Donc on va jouer que les cartes qui coûtent 1, sinon je vais en cramer trop là. Alors là j'ai eu un peu de chance avec Arcane Missiles puisqu'il a touché deux fois mon héros et j'aurais pu tout perdre. Donc là encore une fois on a beaucoup de cartes, donc on va jouer pour l'instant que du 1. J'ai quand même voulu me débarrasser de son dragon et
de son géant robot parce que ils font quand même très très mal. J'aurais pu attaquer Valestras directement, mais au moins le géant 8-8, il faut s'en débarrasser. Donc là, il a joué déjà ses deux géants Clockwork. Il a perdu, il a brûlé un géant de lave. Je sais plus s'il a d'autres géants dans son deck. Donc là, pour l'instant, j'ai brûlé aucune carte. Là, j'en ai 6 en main, donc même s'il rejoue un Naturalize, j'en aurai 9. Donc pour l'instant, ça se passe bien. J'ai rien cramé. Le kill command, ça aurait été mieux de pouvoir le jouer directement sur lui, mais ça m'a permis de me débarrasser de ses serviteurs. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Ah, j'avais oublié qu'il avait joué Gang Up. Donc là, j'ai combien? J'ai 2, 8, 10, 12, 14 et 16 kill command. Donc, c'est gagné. One of the good guys. Does this make you sad? Alors on va aller voir le deck. Donc on regarde la courbe en mana, c'est 4 cartes qui coûtent 0, 18 cartes qui coûtent 1, 3 cartes qui coûtent 2 et 5 cartes qui coûtent 3. Donc c'est vraiment vraiment pas cher. Bah pour le coup, lâcher les chiens, vu que j'ai contrôlé le board toute la partie. On peut peut-être se dire que c'est une carte dont on peut peut-être se passer. Mais voyez, ensuite c'est pas forcément spécialisé chasseur, il y a juste le loup de mémoire. J'ai juste les deux loups, les deux Glaive-Zooka, deux Kill Command et deux Lâcher les Chiens. Sinon le reste c'est... Ah oui, et puis la marque du chasseur, ça c'est important. Donc le chasseur c'est vraiment... un héros adapté face à Velasraz. Sinon le reste, les Wisps qui coûtent 0. Le sergent abusif dont l'intérêt c'est son cri de guerre. Et quand on le combine avec le dragon qui a Furie des Vents, c'est pas mal. Sachant que là j'avais les deux loups, le dragon, et j'ai pu faire sergent abusif. Donc du coup il attaquait deux fois pour 5, c'était plutôt bien. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. C'est un deck qui coûte vraiment pas cher. C'est ça qui est plutôt pas mal. Donc on se retrouve pour le troisième boss en mode héroïque. À plus tard.